pays est sur la courbe ascendante définitivement. Il y a eu en peu de temps, si les chiffres que j'ai pu comprendre, 70 000 touristes qui sont déjà arrivés. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est une nouvelle réjouissante. Il faut garder cette courbe ascendante. Il faut préserver l'emploi. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. Il faut relancer tous les secteurs. Et c'est la chose que nous sommes en train de faire en ce moment. Concernant les efforts du ministère des Finances pour subvenir aux besoins des personnes qui ont été dans des difficultés, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ce gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour éviter une crise sociale. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour éviter beaucoup de dégâts, de drames humains, etc., etc. Je pense que personne ne peut venir dire le contraire. Ce serait malhonnête, ce serait pas bien de venir dire le contraire. Je pense que le gouvernement fait le maximum qu'il pouvait pour venir aider tous les secteurs, hein, sans distinction. Sans distinction. Il nous reste 2 mois avant la fin de l'année. Je pense que nous terminerons cette année avec un bon score. Un score peut-être plus élevé de touristes que nous avons imaginé. Je pense que l'année prochaine, le nombre de touristes sera encore plus élevé au nombre que nous avons prévu. J'espère de tout cœur que Maurice puisse retrouver tout l'argent que nous avons eu, c'est-à-dire les devises étrangères que nous avons malheureusement pas pu avoir dû à la COVID-19, etc., etc. Nous sommes sur la courbe ascendante et je demande à tout le peuple mauricien d'être solidaire et d'aider où ils peuvent, car vous savez, une guerre se gagne quand tout le monde travaille ensemble. Vous voyez? Et le peuple mauricien a toujours su se battre de cette façon. Nous savons vers quelle direction on doit travailler et tout le peuple à l'unisson doit travailler pour ce pays, pour qu'on puisse avoir ce démarrage qu'on a besoin économiquement, pour sauver la société, pour sauver tous les secteurs qui sont en difficulté.